Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était un grand jour. C'est votre nouvelle émission Gym Tonic. Elle va être plus longue, avec plus de rythme, des musiques nouvelles, plus de gym, de la danse, et puis aussi un clin d'œil à vous, nos petits amis. Mais oui, vous êtes tellement nombreux à nous écrire qu'on vous a fait une petite parcelle de jeu au milieu du jogging. Puis aussi, une petite chose formidable, qui veut dire qu'il faut que vous restiez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, car toutes les semaines, on aura une surprise pour vous. Voilà, et on vous en dit pas plus. Alors, vous savez, vous allez avoir des courbatures, vous savez ça. Bon, mais vous savez que nous, on en a aussi. Alors, ne vous inquiétez pas, restez-nous fidèles, puisque nous vous sommes fidèles, d'accord? Le cours est difficile, vous savez, mais c'est pour ça que les progrès viennent vite. Allez, on va commencer. Oh, bonjour! Bonjour tout le monde! Quelle surprise! Bon, vous avez passé de bonnes vacances, vous aussi? Ah bon? Et vous êtes prêts maintenant? Et en allez, forme. Levez-vous, le cours va commencer. Et vous savez que vous ne pouvez pas rater l'échauffement. C'est très très important. 7, 8, et 1, 2, 3, 4, sur un pied et sur l'autre. Allez, laisse le temps de piquer le mouvement. 7, 8, encore et 1. Ça y est, vous l'avez? 5, 6, 7, sur un seul pied, et 1. On change de pied, et 1. On chauffe les chevilles. On recommence, et 1. Changez de pied. Attention, le mouvement change sur le côté. 2, 3, 4, changez, 1. 2, allez-y, 3. Allez-y, allez-y.
pour le premier jour. Retrouver avec autant de dynamisme. Vous êtes bien chaud? Nous aussi. Alors attention maintenant, enchaînement non-stop pendant 15 minutes. Courage et amusez-vous. On s'assied. Les points importants, le dos bien plat, les épaules descendues, les jambes très étirées, la pointe de pied bien allongée et on fait des souplesses en avant sans brutalité. 5, 6, 7, 8 et 4, encore, et 1, 2, 3, 4, on étire les bras, 2, 3, sans la tête Pascal, encore, et 1, 2, 3, 4, les mains derrière la tête, 2, 3, 4, encore, et 1, 2, 3, 4, les mains devant tenues, 2, 3, 4, encore, et 1, 2, 3, 4, la taille est 1, côté. 2, 3, 4 et 1. Allongez-vous. 2, tournez-la la taille. 3, 4, encore. 2, 3, 4, le buste. 2, 3, 4, ça a changé. 1, 2, 3, 4, encore et 1. 2, 3, 4, encore et 1. Et 1, 2, allez-y, 3, dos plat, 4, encore, et 1, 2, 3, la tête, et 1, 2, 3, 4, poussez la tête sans brutalité, 3, 4, debout les mains, 2, 3, 4, encore, et 1, 2, 3, 4, la taille, et 1, sans décoller les fesses, 3, 4, changez, 1, 2, 3, 4, encore la taille. Allongez bien les jambes. 4, encore et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, ça change. 1, 2, 3, 4, encore et 1, 2, 3, 4, encore et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, moins sur le même. 3, encore, 4, encore et 1, 2, 3, 4, allongez la veille.
3, 4, sortez 1, 2, 3, 4, la tête est 1, 2, 3, 4, soufflez, respirez, à David. Bien son buste, on allonge ses jambes et on commence 6, 7, 8. Change de champ. 2, 3, 4, même chose pliée. 2, c'est bien. 4, changez de jambe. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, changez 1. Allonge ta jambe de terre. 3, 4, et maintenant plié, tendu, plié. Change de jambe. Battement et un plié et 2, 3, 4, on change tendu plié, tendu plié, tendu plié, tendu plié. 2, 3, 4, allongez le tendu plié, vous étirez. 3, 4, même chose plié. 2, redressez bien le buste, c'est le secret d'équilibre. 2, 3, 4, et 1. Bravo! On reste debout. Voilà. On va travailler les épaules. Les épaules, la poitrine, les bras, le haut du buste. Vous êtes prêts? 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, changez de bras. 2, 3, 4, les 2 et 1, 2, 3, sans rien bouger encore et 1, 2, 3, 4, derrière et 1, 2, 3, 4, changez et 1, 2, 3, 4, les 2 et 1, 2, 3, 4, encore et 1, 2, 3, top et 1, 2, 3, 4, poussez le dos et 1, 2, 3, 4, étirez droit, 2, 3, 4 et 1 sur le côté, 2, 3, 4, reviens 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, poussez le dos, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4 sur le côté, 2, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, tirez loin, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4, on recommence et 1, 2, 3, 4, ça a changé 1, 2, 3, 4, et 2 et 1, 2, tirez loin, 4, 5, 6, 7, 8, derrière et 1, 2, 3, 4, énergique 1, 2, 3, 4, et 2 et 1, 2, 3, 4, encore et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, poussez sur
4. Et 1, 2, 3, poussez le dos. 5, 6, 7, 8, étirez 1. 2, poussez le dos. 6, 7, 8, côté. Et 1, 2, 3, bonjour les gars. 5, 6, 7, 8, et 1, tirez loin. 2, 3, 4, encore. Et 1, 2, 3, allongez. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, rien de plus. 3, 4, et l'autre. 2, 3, 4, bravo. Et on s'assoit. D'accord? Ouais. Allez, allez, beaucoup de dynamisme. Respire bien, on se précipite pas, on prend son temps. On souffle. Joint les pieds, on allonge les bras. Ouais, ouais. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, abdominaux un peu. Avoir quoi? Un ventre en béton. 7, 8, lâchez tout. Tu nous enchaînes ça, Davina? Allez. Je vous enchaîne ça. Sur une bamba. C'est amusant de le faire non-stop, vous trouvez pas? 6, 7, tour. Et 1. Et c'est bien la musique forte, c'est important. We'll be right back.
rechange. Nous allons ouvrir pour vous notre séquence espace. Qu'est-ce que c'est que l'espace ? L'espace, c'est oublier un peu la gym pour rentrer dans la danse. Car on avait très envie que vous veniez danser avec nous. Alors aujourd'hui, on a Pascal qui va être un petit peu votre délégué. Voilà, elle va apprendre en même temps que vous les mouvements parce que pas question que vous restiez assis à regarder. Vous le faites avec nous. Ça va Pascal, tu te sens bien ? Oui ? Alors, regarde. On se place en sixième position. Sixième position pour vous sont les pieds joints. On va aller sur le côté. On déplace le poids de son corps sur le côté. On va étirer le bras et allonger le buste. Allonge, allonge, allonge. Mais ne monte pas ton épaule. Descends ton épaule. Voilà. Ensuite, on se détourne de profil. Allez-y, faites-le en même temps que nous. Non, il faut que tu fasses passer le poids de ton corps sur ta jambe de devant. Voilà. Et bien ici, le pied sur demi-pointe. OK. On lève un bras. Et puis l'autre. Pas en arrière, le bras. Encore. Encore. Et la quatrième fois, les deux bras en l'air. D'accord ? C'est pas trop difficile ? On continue. On se détourne. On plie. Mais attention, c'est pas la peine de plier à fond et d'avoir les fesses sorties ou le ventre en avant. On plie droit. Les genoux sur le côté. Voilà. Et on repart sur le côté. On s'étire, on s'étire. Ce bras-là est contre la cuisse. On se détourne encore une fois. Deux bras en avant. Non, Pascal, le poids de ton corps sur ta jambe. Voilà. Maintenant, on va plier la jambe de derrière. Plie. En retirant un bras. Voilà. Allez-y, poussez. Voilà. Et on balance son bras comme un balancier. 3, 4, on se replace. Allonge bien tes genoux, reste très droite. Et maintenant, on refait la même chose de l'autre côté. Alors, on y va. Vas-y, je me recule un peu, reste bien devant. Tu as un miroir, Pascal, serre-t'en. Regarde-toi, comme ça, tu peux te corriger. Oui, détourne-toi. De l'autre côté, on se grandit, poids du corps bien sur la jambe de devant. N'oubliez pas ça. Toi non plus. On balance ses bras, 3 fois, 4e fois, les deux. On plie. Oui. On va bien sur le côté. Étirez-vous. Ah non, je vois. Regardez ce que vous faites. Vous pliez et vous décalez ce mouvement qui doit rester. Vous devez être bien entre vos jambes. C'est seulement le buste qui travaille. Descends encore davantage ton buste, Pascal. Voilà. On se redétourne. On se grandit, poids du corps. OK. Et on plie. Et on balance. La tête peut suivre. Ce n'est pas une obligation. Et on se replace. Et ainsi de suite. Ce sont des mouvements que vous allez enchaîner continuellement. Comme ça, vous êtes vraiment sûr d'y arriver. 6, 7, 8. Et 1, 2, et 1.
3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4, balance, 2, 3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2.
2. Voilà, maintenant, on va s'amuser. C'est la séquence jogging, mais avec des jeux. Toutes les semaines, on aura un nouveau thème. C'est aussi un clin d'œil pour qui, Davina? Pour tous nos petits amis qui nous regardent et qui nous écrivent si souvent. Alors, le jeu, attention, c'est pour tout le monde, mais pour vous, les petits. Alors, regardez, ici, j'ai un ballon. Mettez votre bras comme moi. Voilà, tenez bien le ballon. Maintenant, je prends le ballon et on va s'amuser ensemble. Je vais vous lancer, vous allez me l'envoyer. Regardez, je fais une répétition avec Davina. Regardez bien. Davina, je t'envoie mon ballon. Tu es prête? Oui. Attention. Clac. Merci. Je vous le lance. Attention, ça fait mal si vous le prenez là. Et il y a un effort musculaire. On s'amuse, mais vous allez voir, c'est formidable. Vous êtes prêts? Attention. Le voilà. Envoyez-le-moi. Eh ben, bravo. Alors, maintenant, on s'amuse. Tous ensemble, avec notre ballon, on va taper le ballon par terre. On va faire plein de choses. Vous êtes prêts? On tape la balle. On y va. Allez, tous ensemble. Allez, venez. Oui, tapez le ballon, tapez le ballon. Allez, tapez le ballon, tout le monde. Encore. Allez, amusez-vous, on tape le ballon, faites un effort. Avec les deux. Encore. Attention, on va rattraper son ballon et on va vous l'envoyer. Attention, hein, attention. C'est bien prêt. Soufflez bien et respirez. Encore.
Bien, écoutez, bravo, parce que c'était une reprise et une nouvelle série. J'espère que vous avez bien suivi, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous êtes bien amusé. À la semaine prochaine, ne nous oubliez pas pendant la semaine. Mais maintenant, la surprise... Oui, attention, c'est pas terminé. On vous emmène avec nous. Alors, venez, suivez-nous. Moi, je crois que la surprise, on l'a déjà vue. La surprise, elle est là. Ouais, bravo à vous. On regarde le verre en face, on descend le poignet droit, le biceps gauche relâche, le coude sur le comptoir, on penche la tête pour pas renverser la première goutte, attention, cul sec! Bravo les enfants! Il y a quelques dimanches, un coup de paresse, le mari flanché loupe la messe, c'est rien qu'elle me dit, je vais pas pêcher, je m'en vais la suivre à la télé, elle ouvre le poste et tombe à pic sur Davina et Véronique, et aussitôt c'est de la démence. Elle prend le tempo et rentre en transe. Ça fait maintenant un mois qu'elle mue au champ à table et dans la rue. Alors moi pour y faire la nique, je me suis trouvé une petite technique. Et un, je retire le bouchon. Et deux, je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Et quatre, je me rince le siphon. C'est la pérobique. Elle la gym, moi le tonique. C'est la pérobique. Est-ce que c'était difficile? Difficile, non, parce que comme non, parce qu'on est de grands sportifs. Oui, on a vu, on a vu. On a plusieurs records à notre actif. On en a un principalement où je suis assez fier, c'est que tous les trois on peut plonger en même temps dans une piscine sans faire d'éclaboussures. Ah, ça c'est bien ça. Ce qui est assez rare. Ouais. Et puis il est évident que quand on regarde ces deux individus, on s'en compte tout de suite. C'est-à-dire, on avait tendance à travailler plutôt le haut. Oui. Oui. Voilà. T'as pas une petite question, Davina, à poser? J'ai une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous pratiquez le plus, l'aérobic ou l'apérobic? L'aérobic ou l'apérobic? C'est un peu les deux. Je vais réfléchir, l'apérobic. C'est une très bonne question. Mais ça n'est pas aussi simple que ça ne paraît. Ça demande de la concentration, ça demande un bon coup d'œil, du sang-froid. L'apérobic? Ah oui, un self-control permanent. Évidemment. Le bar étant à peu près à cette distance ça de moi. Ça représente un bras de levier il faut quand même. Le faut pas rater son coup, quoi. Tout dépend du verre. Bon, mais ça, c'est un de vos secrets. Mais alors, et un autre de secret de votre forme éblouissante. Cette éternelle jeunesse. Dans ma forme, c'est pas difficile. Un autre, vite. Je trouve que tu as une très belle tenue du dos. Oui, c'est une vertèbre qui est soudée. Il suffit de ça soudée, il n'y a pas c'est de problème. C'est tout, c'est rien. Tu t'as fait souder, après, tu n'as plus de problème. Non, vous savez, on va essayer d'être un gramme sérieux. Est-ce que vous avez, pour les téléspectateurs, un petit truc? Parce que vous avez quand même une forme olympique. Vous chantez cette chanson merveilleusement bien, mais il y a une pêche terrible pour lui donner. Bien, alors, bien, qu'est-ce que c'est votre truc? Je vais te donner l'emploi du temps des prochains jours. 4000 km par semaine. Voilà, par exemple. Voilà. Alors, vous prenez votre bagnole si vous écoutez, n'avez rien à faire. Bien, hein, par exemple, demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Bon, on prend la voiture demain vers 8h. Oui, on descend jusqu'où? Je te le demande en mille. C'est Limoux. Hein? Limoux. C'est une ville d'eau. Alors, successivement, on fait l'Allemagne, Madame Macron, Chalon, Lyon, Valence, Tigrani, Madrid. Et on recommence. On tourne à droite, on repart dans l'autre sens. Évidemment, comme Limoux, on ne peut pas y rester pleinement, il faut changer immédiatement. On va sur Sierre, la montagne. Alors, attendez, l'équilibre. La blanquette de Limoux. Très sérieusement, si vous faites beaucoup de route, vous faites beaucoup de galas, on vous très mauvais partout, pour le dos. C'est formidable. Quel est votre truc? On pour veut un truc. Un truc pour être en forme. Mais ça dépend des régions. Par exemple, à Sancerre, bon, ça va, c'est tout vu. Ah, d'accord. Mais c'est toujours le même truc. C'est toujours le même truc. Finalement, vous avez compris. Non, voilà. Ça varie, ça dépend. C'est tout, vous avez c'est compris. C'est l'apérobie. Oui, c'est l'apérobie. C'est ça. Il y a que ça de vrai. Mais avec des verres pleins, évidemment. Bon, maintenant, je pense que, puisque vous ne voulez pas nous révéler vos trucs, ben, nous, on va en révéler un. Allez, un petit truc d'énergie. Vous savez qu'il faut faire provision un maximum de son énergie pour pouvoir la dépenser au moment où on veut et pas n'importe comment dans la journée, à tort et à travers. Alors, il faut faire des économies d'énergie. Voilà, c'est ce que je voulais que tu nous dises. Ok, on conclut. Merci. Merci les Charlots. Merci. Merci à toi. À la semaine prochaine.